Bonsoir. Aujourd'hui, on se sépare, on divorce assez facilement, assez tranquillement, assez sans trop faire attention. Et pourtant, les enfants du divorce souffrent tout autant qu'avant. Peut-être même est-ce encore plus dur pour eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on ose dire, on ose parler, on ose chercher des explications, on essaye de comprendre, c'est mieux. Mais la douleur peut être toujours aussi forte. C'est ce soir l'histoire de Sandra. Son histoire ce soir, ça va se savoir. Sandra ! Sandra, bonsoir. Bonsoir. Sandra, vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes étudiante. Oui. Et vous avez l'impression, Sandra, d'être, disons, victime d'une sorte d'injustice. Oui, tout à fait. Vous souffrez d'un mal un peu rare, mais réel et cruel. Vous avez le sentiment, vrai ou faux, on ne sait pas encore très bien, que papa ne vous aime pas, qu'il fait tout pour vous rendre la vie peut-être trop difficile, que tous les gestes de tendresse que vous avez vers lui tombent un peu à côté, qu'il ne vous rend pas l'amour que vous aviez pour, ou que vous avez encore pour un papa. Oui, vous voulez bien nous raconter votre histoire ? Ben oui, en fait, voilà, donc mes parents ont vécu ensemble pendant 20 ans. Et puis il y a 2 ans, ils se sont séparés. Et deux ans, après donc 18 ans de, oui, de vie commune. Donc il y a 2 ans, ils se sont séparés et ma mère est partie vivre à l'étranger. Moi, je suis restée avec mon père parce que j'ai mes études, donc je dois continuer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis ce moment-là, j'ai l'impression qu'il m'a prise en grippe. C'est tout le temps me rabaisser, des vexations et tout ça. De toute façon, toi, t'es comme ta mère. C'est vraiment, je ramasse tout le temps. Il n'y a pas un moment où il est gentil. C'est tout le temps des méchancetés gratuites. C'est vraiment du harcèlement et ça commence vraiment à m'énerver, quoi. Donc, je commence à en avoir par-dessus la tête. Sandra, lorsque vous parlez de la séparation d'il y a 2 ans, vous nous dites que maman est partie à l'étranger. Lorsqu'on se sépare, ce n'est pas la plupart du temps parce que les deux souhaitent se séparer. C'est parce que l'un des deux le veut un peu plus. C'est maman qui a voulu partir ? Oui, c'est maman. Et vous savez, si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi ? Mais ça n'allait plus dans le couple, hein, parce qu'il est agressif, il est violent. Donc elle a craqué, elle est partie. Mm-hmm. Je la comprends. Donc, ce qui vous fait souffrir, ce sont les reproches que vous fait votre papa ? Oui, ça veut dire, tout à fait. Tu lui ressembles parce que tu lui ressembles. Oui, et il dit qu'il me déteste parce que je ressemble à ma mère. C'est ridicule, je trouve, parce que je ne suis pas elle. Donc, on ne peut pas détester quelqu'un pour ça. Mmh. Voilà. Sandra, vous, votre sentiment, il est celui d'une jeune fille, d'une jeune femme presque, qui a l'impression qu'on insulte quelqu'un d'autre lorsqu'il vous agresse. Vous avez l'impression que c'est à votre maman qu'il s'adresse plutôt qu'à vous et que ça, c'est totalement injuste et injustifié. Oui, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il me déteste à travers elle. Donc, il veut... Enfin, mais je trouve ça ridicule parce que, bon, on est deux personnes différentes. C'est pas parce qu'on se ressemble que... Ouais. Donc... Et vous lui répondez, vous vous écrasez, vous... Ben, quelle attitude est-ce que vous avez la plupart du temps lorsqu'il est dur ou difficile. Des fois, ça va très loin. Donc, évidemment, j'ai envie de répondre et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que, bon, enfin, moi, il me fait peur parce que des fois, il est vraiment très violent et très agressif. Maman est partie refaire sa vie. Oui. Avec un autre. Oui. Ça a été la raison de la séparation ou entre nous, hein, ou la séparation d'abord et puis la rencontre après. Apparemment, c'est la rencontre d'abord et la séparation après. Ça n'allait plus. Et puis, comme elle a rencontré quelqu'un d'autre, eh ben... Mm-hmm. Elle a décidé de refaire sa vie. Ouais. Et votre papa ? Mon papa, depuis quelque temps, il a rencontré une femme qui s'appelle Natacha. Et d'ailleurs, elle est très bien. Moi, je m'étais dit qu'il allait changer, qu'il allait se calmer et tout ça. Parce que bon, il avait l'air amoureux, mais pas du tout. Parce que Natacha, elle fait ça bien. Elle est parfaite. Regarde, toi, t'arriveras jamais à ça. Ça, c'est quelqu'un, Natacha. Et c'est encore pire, parce que autant qu'il me rabaisse, autant qu'il la loue, elle. Enfin, mais la fille, je l'aime bien, elle est sympa. Mais franchement, c'est encore pire. Sandra, ce soir, vous voulez quoi ? D'abord, je voudrais savoir pourquoi vraiment mon père me déteste, parce que je trouve ridicule l'idée que... Et vous pensez qu'il sera capable ici de vous dire la vérité, de vous dire « c'est vrai que je te déteste » ou est-ce qu'il dira « c'est pas vrai, tu racontes des histoires » Je pense qu'il est tellement méchant qu'il le fera, donc ça c'est une chose. Et puis de deux, je voudrais un peu prévenir Natacha à quoi elle s'engage. Ouais. Voilà. Vous pensez que c'est une bonne action ? J'espère. Hein. Ouais. Votre papa s'appelle Alain. Oui. Il est là. Alain !
Alain, bonsoir. Alain, vous avez 50 ans, vous êtes employé communal. Votre fille Sandra, elle souffre pas mal. Elle souffre déjà de la séparation qui vous-même a dû vous faire souffrir, Alain. Et puis elle souffre aussi parce qu'elle nous dit, je pense que ça doit être à peu près vrai, que vous la traitez un peu mal, non pas du tout physiquement, non pas du tout, mais que vous lui reprochez de ressembler à l'autre, à celle qui est partie. Elle s'en plaint et elle nous dit, je ne comprends pas pourquoi papa ne m'aime pas, pourquoi papa me traite ainsi. Sandra, papa, vous nous aviez dit, je veux le lui demander en face. Oui. Il est à côté de vous. Voilà, je voulais seulement savoir pourquoi tu me détestes comme ça. Pourquoi t'es tout le temps hargneux et tout. Mais tu t'en rends pas compte, non? Mais non, justement, c'est pour ça que je... Tu sais quand même bien pourquoi, hein? Ta mère, elle est partie là comme une malpropre. Mais c'est pas de ma faute, quand même. Oh, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. En attendant, elle a foutu le camp avec qui, là, maintenant? Tu sais où elle est? Tu sais ce qu'elle fait? Non. En attendant, elle nous a laissé là dans la merde tous les deux. Et maintenant, c'est toujours moi qui ai dû assumer tout le bazar. Oh, mais c'est pas de ma faute, quand même. Oh, non, arrête, Andy. T'as la même chose que... Quand je te vois là, hein, que tu marches, ton caractère, ta démarche, tous tes vêtements, et alors quand je vois ton visage, j'ai parfois envie de t'en péter la une. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est de vivre avec Natacha et que tu me foutes la paix. T'as qu'à retourner chez ta mère si t'as envie. Hein. Ah ben, combien de fois je t'ai pas demandé de me payer le train pour y aller? Ah ouais, toujours payé. Tu ne demandes jamais que ça, toi. Mais en attendant, jusqu'à maintenant, t'as tout eu, hein. Enfin, puis c'est pas de ma faute hein, si je lui ressemble, c'est normal, je suis sa fille. Hein. Bah et alors, et puis, moi fous le cas chez ta mère. Et si tu veux mon avis, c'est mieux de lui ressembler à elle qu'à toi, hein, ouais, franchement. Ça va? T'as-tu passé le contraire de ta mère? Moi je comprends pas ça. T'es borné hein, quand tu veux. Oh, allez, allez. Moi je peux pas supporter ça. Moi je sais pas supporter ça. Hein. Alain, mais bon, c'est ridicule. Alain, vous avez 50 ans. Ou même pourquoi tu me poses des Alain. Questions? Toi, t'es un psy ou bien un médiateur ou quoi? Alain, la seule chose qu'on aimerait savoir, c'est... On comprend très bien le ressentiment que vous avez pu avoir pour la maman de Sandra. Mais c'est la maman de Sandra, c'est pas Sandra. Mais c'est les deux mêmes. Pourquoi? Ben, ils ont toujours été ensemble, des complicités, non, tout mais ça. Il y a juste sa mère qui nous l'a... C'est sa maman qui est partie, c'est pas Sandra. Oh, non, mais c'est les deux mêmes. Vous la connaîtriez. Et c'est pour ça que vous ne l'aimez pas, elle? Oui, c'est exactement la même chose. Je peux pas la supporter. Elle n'a qu'à retourner chez sa mère, tranquille. Hein. Tu verras bien si tu perds chez ta mère, comment ça va aller. Tu sais quand même faire la différence entre la mère et la fille. Hein. Tu sais quand même faire la différence. Hein. André... Est-ce que vous savez que Sandra, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'elle s'en aille? Ben oui, bien sûr. Moi, de je vais vivre avec Natacha et je suis bien tranquille. Hein. Et Natacha, elle veut vivre avec vous? Oui, ben oui, no problème, moi. Allez, just done. Et comme ça, la mère et la fille, j'en suis débarrassé, moi. Vous croyez qu'on peut, comme ça, mettre sa propre fille à la porte? Oui, oui, j'en connais beaucoup. Et ils sont bien tranquilles après. Et vous trouvez que vous avez raison de faire ça? Moi, oui, bien sûr. Non, mais si Natacha savait ce que tu étais vraiment, tu crois qu'elle accepterait de vivre avec toi? Ben, elle n'est pas comme toi, elle. Hein. Oh. Ben non. Elle n'est pas comme toi du tout. C'est une fille gentille, on s'entend bien tous les deux. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ça ne fait jamais que 3 mois qu'on est ensemble. Mais finalement, on va habiter ensemble. Ça, on en a déjà parlé. Et moi, de toute façon, je vais avoir des enfants avec elle. Des enfants vivre une avec petite elle. Famille. Et qu'on attends, soit bien tranquille. Et quand attends, tu seras parti avec ta mère, j'ai le bon débarras. Mais enfin, non, non. Si tu en as des qui ont... et que tu te les traites comme moi, franchement, non, mais... Ben non, parce qu'elle n'est pas comme toi. Elle te ressemble pas. Hein. C'est quoi cette histoire, là, maintenant? Tu vas les rendre malades, les gosses. Mais non. Puisqu'elle est bien avec moi, pourquoi est-ce qu'elle devrait te ressembler? Ouais, mais elle est bien avec toi parce que tu lui as pas montré ton vrai visage. Mais arrête, Andy, arrête. Hein. Peut-être que Sandra a raison. C'est facile, si, hein, de jouer les messieurs gentils. Si on vous comprend après. Bien, André, vous voulez vous débarrasser de votre fille pour vivre avec Natacha? Oui, bien sûr, le plus possible. Pour vivre avec Natacha? Ouais. Vous pensez que ça va tout arranger? Bah, pour moi, ce sera beaucoup mieux, hein. Ouais. Je ne l'aurai plus dans mes pieds, hein. Ouais. Sandra, elle, pense que vous faites peut-être une erreur. Elle dit que si Natacha voyait votre vrai visage, elle partirait en courant. Vous prenez le risque? Vous prenez le risque? Ouais. Et Natacha est là. Ah,
Natacha, bonsoir. Natacha, vous avez une quarantaine d'années, merci de nous rejoindre. Vous travaillez dans une agence immobilière et oui, vous avez rencontré Alain il y a peu de temps. Alain nous a parlé de vous avec tendresse, avec gentillesse. Vous connaissez sa fille ? Oui, oui. Ouais. Et puis, mais bon... vous venez ici parce que nous vous l'avons demandé. Oui, et c'est surtout Sandra qui a pensé qu'il était important. Je n'ai pas encore vraiment l'occasion de la connaître. Et ouais. C'est évident que je veux m'en faire une amie. Donc en fait, moi, je t'ai fait venir ici parce que le peu de fois que je t'ai vue, je t'ai trouvée sympathique. Et oui, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec un type pareil ? Parce qu'en fait, je crois que tu ne le connais pas du tout. Il est méchant, hargneux, détestable, toujours à m'insulter et tout ça. Depuis que ma mère est partie, c'est un enfer, ma vie. Et toujours à rabaisser. Et je me suis dit, si tu avais vraiment bien réfléchi, si tu voulais vraiment faire ta vie avec ça. Bah, écoute, quand toi, tu viens à la maison, moi, ça m'arrange très bien. Oui, parce que justement, il est avec toi et moi, j'ai un peu la paix. Tu me montres une image de ton père que je ne connais pas du tout. Hein. Justement, oui, c'est Natacha, pour ça que je t'ai fait. Natacha, c'est pour cela que Sandra a souhaité... Parce qu'avec moi, il est gentil, bon, il est serviable. Mais oui, mais c'est le début, c'est normal. Est-ce que vous imaginez pourquoi il n'aime pas Sandra ? André, vous voulez bien le dire, Natacha ? C'est parce que ma fille... Enfin, ouais, c'est ma fille. Oui. Ouais. Malheureusement, évidemment. Elle ressort de trois, sa mère. Moi, je t'aime. T'as vu l'excuse ? Je veux rester avec toi. Je veux qu'on habite dans la maison, faire des enfants, faire une petite famille, tranquille, nous deux. Et puis alors, qu'elle aille chez sa mère. Non, hein. Non, là, je tombe de haut, là. Non, parce qu'en fait, bon, je ne vois pas pourquoi. Si moi, je viens, elle doit partir, c'est déjà une chose. Maintenant, mais faire ça des fait enfants... déjà longtemps que je voudrais qu'elle parte. Hein. Mais moi aussi, je voudrais qu'elle parte. Alors, tu fais des enfants, pourquoi ? Pour les chasses ? Et maintenant, tu dis tu veux faire des enfants avec moi ? Ah non, c'était pour être tranquille, parce que toi, tu ne ressembles pas du tout à elle. Tu es tout à fait différente, tu es cool, tranquille. On sait mais se attention, marier, tu ne me connais pas non plus. Hein. On n'a que les beaux moments pour le moment. C'est le resto, c'est les petites sorties et tout. Moi, non, si je décide de reprendre quelqu'un pour terminer ma vie, c'est pas que le resto et tout ça, c'est la vie de tous les jours. Hein. Natacha, il n'est pas comme ça d'habitude ? Pas du tout. Ah non, là, moi, je vois... Parce que nous, depuis qu'on le connaît, c'est-à-dire peu de temps... Hein. Et alors, ces projets, je ne suis pas vraiment dedans. Je crois, pour faire des projets, il faut être deux. Tu vois, tu fous encore la merde dans le bazar, il n'y a pas à foutre la merde. Mais non, mais elle est encore là. Oh, je la fous tout seul. C'est qui a encore été inventé des histoires ? Ah, j'invente des histoires, c'est certain, ça t'est toujours comme ça. Bien sûr. Et alors, finalement, ça me retombe encore sous le paletot, hein ? Ah bah, on recule, qu'est-ce qu'on en sait, moi ? Franchement. Bah, t'es le même que ta mère, toi. Oh, bien sûr. De toute façon, tout ce que t'as eu, tu l'as mérité. Mais bon, la mère, pourquoi elle est partie, déjà ? Ouais. Bah, parce qu'elle est partie avec un autre. Maintenant, c'est l'occasion... Non, on n'a pas eu le temps d'en discuter non plus, hein. Quand je te réponds... Non, tu évites le sujet. De toute façon, tu évites le sujet. Oui, parce que ça m'énerve. On ne parle pas de ton passé, on ne parle pas de mon passé. On parle de l'avenir, d'accord ? Le jour où tu sauras tout ce qui s'est passé, tout ce que là, elle m'en a fait voir, et elle aussi, elle est quand même partie comme une petite merde. Non, non, non. Bon, moi, j'ai... Vous voulez dire que la découverte de ce soir va vous faire peut-être réfléchir ou carrément changer d'avis ? Tu vois, c'est encore à cause de toi. Mais elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais c'est toujours elle. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ah ben non, mais elle se mêle encore de ma vie privée. Qu'est-ce que c'est cette Écoute, histoire. À chaque fois, tu m'as caché. À la limite, tu me caches ta fille. C'est pas à vous, les petites reines, ta fille. Elle est bien, ta fille. Bon, tu sais que chez moi, j'ai une chambre de libre. Si tu veux terminer tes études. Écoute, Sandra, maintenant, moi, j'ai de la place. Je sais que tu as l'intention de tourner chez ta mère. C'est quoi ce scénario, là ? C'est entre elle et moi. C'est entre elle et moi. Et non, hein, toi, tu dois vivre avec moi. C'est ce que tu avais dit. Moi, vivre avec toi après ce que je viens de découvrir. Et mais tu changes d'avis aussi, là, maintenant. Qu'est-ce que tu t'imagines ? J'ai mon indépendance, j'ai mon travail. Tu ne penses quand même pas que tu vas m'avoir... Non, non, écoute. C'est ce que t'avais écoute, dit. Franchement, moi, les hommes dans ton genre... Mais tu ne me connais pas. C'est elle qui... J'ai découvert. Ça va. C'est toujours elle qui fait le bordel. Écoute, Alain, j'ai découvert en quelques minutes ton vrai visage. Ouais, mais c'est ce qu'elle te raconte. Ça, c'est pas compliqué, hein. Sandra, termine tes études. Sois indépendante. Moi, pendant mais des années... Mais tu vas encore foutre le bordel longtemps, ici. Pendant des années... Mais fous le camp de ma vie, nom de Dieu. Pendant des années, tu dois Et toi, tu vas quand même pas aller vivre avec elle. C'est quoi pour un bordel, ça, ici, maintenant? Moi, je suis prête à l'aider. Oh, ouais, bah ouais. Je suis prête à l'aider. Écoute, il vaut mieux seul que mal accompagné. C'est pas là, compliqué, hein. Mais tu vois la tête que tu as. Ah, bah ouais, mais t'as déjà vu le bazar, maintenant, tu vas aller vivre avec. Et alors quoi? T'as la même chose qu'elle, alors, si tu vas foutre le bordel aussi chez moi. Alors, j'ai plus besoin de vous autres, hein. Mais il faut ça voir. Va, hein. Ça va, hein. Vous êtes des hommes et deux messieurs, Alain, ça. Alain, ah, tiens, t'as bien changé quelques minutes. Bon. Sandra,
Je suis à la fois désolé et au fond, peut-être que tout rentre dans l'ordre. Ce que vous souhaitiez, c'était montrer la vérité, la réalité de votre papa à Natacha. Natacha, elle a vu, elle a l'air de comprendre. Et puis, j'ai le sentiment que le public l'a un peu adopté. Peut-être que papa comprendra. Peut-être que papa comprendra un petit peu mieux. Peut-être qu'il changera. Probablement que ce soir, ça va se savoir. Questions et réactions du public. Bob de Bruxelles, je m'adresse à Sandra. Elle est jeune, elle est jolie, elle a 22 ans. J'ose imaginer que votre mère, à votre âge, était aussi jeune et jolie. Et alors, elle a marié, je ne sais pas quoi, un vieux débris maintenant. Oui. Alors je me suis dit, l'amour est aveugle. Oui. Mais là, on est vraiment en plein brouillard. Hein? Oui, laissez tomber votre père et allez vivre avec Nathalie. Ce que je vais faire. Christine Dixel, moi c'est Natacha, c'est vous je crois. Oui, oui, oui. Je vous admire pour la proposition que vous avez faite. Et ça s'est montré que vous êtes très compréhensif, que vous avez du cœur, vous êtes déjà maman. Mais justement, je crois que... C'est admirable en tous les cas ce que vous faites, vraiment. Et alors je suis très heureuse pour vous aussi, parce qu'elle s'est proposée de vous aider. Et c'est ça la plus belle chose de la vie. Monsieur, je ne veux même pas parler. Arlette de Watermal, moi je pense que vous devriez rester seule parce que ça ne va pas du tout. Vous ne vous entendez pas avec les femmes. Oui, très bien. Très bien. Non, je ne crois pas que vous devez avoir une femme encore chez vous. De Bruxelles, donc j'aurais juste voulu faire une remarque à Alain. Juste lui dire que, en fait, vous méritez aucune de ces deux filles. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi votre ex-femme vous a quitté. Ouais, eh ben, moi, je vais te répondre à celle-là, je suis content. Comme ça, maintenant, je suis tranquille et je n'ai plus des emmerdeuses avec moi. Je comprends ton parce que finalement, t'as le même qu'elle, toi. Ton empressement pour que j'aille m'installer chez toi. Maintenant, t'as foutu la merde, toi, t'es contente. Hein? Elle n'a pas foutu la merde. Ah ben, fous le camp, hein. Ben, c'est ce que j'ai plus besoin de te voir comme ta mère. Je vais la retirer de tes griffes. Tu vas la retirer tout seul et tu vas finir tout seul. Ouais, ouais, tu crois ça? Oui. On essaye parfois de faire des efforts, on essaye parfois d'essayer de comprendre l'autre. D'autres fois, ça semble extrêmement difficile. On peut aussi essayer de tenter de parler au mur. Mais l'important peut-être est d'avoir essayé. Merci à vous.